It's too late to apologize. Elle va se ranger. Je commence à filmer. Toujours comme ça. Oh non! C'est pour ça que t'es archi rapide. Eddy, mets deux branches plus bas quand ils les construisent. Genre une branche là, qu'on puisse appuyer, et une deuxième au-dessus. Luc, pour qu'on arrive à prendre son problème. Peut-être pas prendre le solo. Ouais. Bonjour, donc cette vidéo fait un bruit métallique. Il est dédicacé, on peut le dire, à François. Car voilà, regardez les tickets de caisse. Là, j'ai dépensé 18 euros chez Intermarché. Hop, donc voilà, c'était pour montrer. C'était le moment où que je jette. Tu es pas mal. Parce que j'ai acheté des chaussures de tennis qui valent 150. Je les ai eu à 35 chez Decathlon. J'ai trié des tickets encore plus vieux. D'où la dédicace à François Bachibouzouk. Ça, c'est du vieux, ça. Donc, on y va. Hop. 27 juillet 2008. Et ça, c'est poubelle. On joue à Motus. Boule noire ou pas. 5 mai 2006. C'est quoi, ça? Voilà, donc un ticket sans date. Fuck. Cassette Digital 8. Putain. DVD des Dieudonné que j'ai acheté 2 euros. C'était une affaire, je l'ai pas laissé passer. Hein. Chez Kiabi, donc 1 million de vêtements. Parce que moi je fais mes vêtements. Oh putain. Donc ça c'est des tickets depuis 2 ans. Eurodif. J'ai acheté quoi? Ouais, ils m'ont fait chier, ils voulaient pas rembourser mes rideaux pourris. Je balance. On en retire un petit dernier là, on le sent bien. Attention, qu'est-ce qu'on a? Une bombe. Putain, les courses de merde. Pas un petit article saugrenu, là, un petit truc. Sous-vêtements. Là, on est dans du cocasse. Je me rends compte que mes courses ne sont pas intéressantes. Castorama, peut-être des outils, des choses un peu fun. Tasso raboté. Bon, bah j'abandonne. Ça, c'est historique quand même. Mes tickets, voilà. Je me débarrasse. Hop. On constate qu'il n'y a plus rien. Je pense que François me félicite, j'espère. 4-5 ans que je garde des tickets. Je passe pour un con. Bref, voilà, cette vidéo s'achève sur le mot maudire. Bonsoir. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas fait un point repas. Pâtes, chili, et là, combo de salade, mâche et iceberg. J'ai prévu, si j'ai encore faim, mousse de foie, pain. En dessert, donc je verrai, yaourt, poire ou les deux même. Non mais à un moment on peut se donner les moyens. Donc ce petit point repas était une introduction. Octobre, novembre, décembre, fin janvier, donc 4 mois. Et là je peux commencer à dire que j'ai l'impression d'être un peu emménagé. C'est fou. Pour ça il a fallu que j'investisse dans des meubles. Ce meuble-ci qui peut contenir beaucoup d'objets. Et du coup j'en ai racheté un. Et le truc est blindé de bordel. Mais ça ne suffisait pas. J'ai dû réinvestir dans d'autres meubles. Ici, un truc immense. Il fallait que ce soit pas trop grand pour sinon, comme il n'y a pas beaucoup de place, ça permet de mettre de la merde. Donc normalement la merde elle est dans des tiroirs, mais là on la voit directement. C'est un style moderne. Du coup de l'autre côté on a dégagé un peu en mettant l'enceinte. On perd une position de livre. Déjà que c'est complètement rempli, je ne sais pas trop comment je vais faire. Ça libère un peu le coin. Ça permet de mettre la guitare ici. J'ai un cow-boy à la maison en ce moment. Autre changement majeur. Celui-là est phénoménal, mais ne fait pas gagner de place. Oh alors ça les petits clous. Ça faisait longtemps que j'aurais dû le faire. Quand je m'adosse. Normalement ça se bloque, donc ça pouvait se régler. Et ça ne tenait plus depuis longtemps. Donc forcément je me pétais le dos à travailler comme ça. Donc j'ai investi 140 euros.
C'est beaucoup. Je me suis dit, je passe aussi beaucoup d'heures devant cet ordinateur de merde. Faut savoir que ce fauteuil vaut 280€ normalement. Ouais, c'était 50%. Et effectivement, c'est-à-dire qu'il y a un maintien, et un maintien dorsal, un maintien du cul. En plus, c'est aéré, donc on transpire moins pour ceux qui sont des porcs. Autre investissement, anti-pop, ça c'est magique, pour faire des bruitages et d'autres voix off, des doublages, etc. En dégageant un peu... Maintenant on peut fermer les placards parce que j'ai pu vider mes cartons. Il en reste deux dans les chiottes, mais ils sont pratiques pour poser des magazines. J'étais en mode j'achète toujours les meubles en double. C'est un peu. Et un carton le cache, ça fait moche. Autre chose, installation d'une étagère. On essaie d'être classe parce qu'il y a une petite décoration qui fait un peu peur mais un peu marrante. Donc gain de place, gain dans la tête. Là il y a une énigme qui se cache ici, là par là. Je vous donne un indice. Là mon chi s'en va, on m'a expliqué, donc je referme. Tout ce magazine là, j'avais jamais fini, je crois. Et là je suis en train de le finir et je vais enchaîner. J'ai prévu. Bref, faut que je chie plus lentement. Je commence à vivre, donc je peux regarder des documentaires, je peux faire du montage grâce au meuble. Je sais même pas, j'ai pas fait la review finale du meuble. Qui tient très bien, regardez. Tout rentre dedans. Double système d'écran et l'ampli guitare derrière. Voilà, les choses se mettent en place et maintenant ça va être froid. Donc je bouffe et voilà, vous m'avez fait refroidir ma bouffe. Papam Chicago. Pour ceux qui connaissent. Petite conne alors, comme quoi que la connexion est plutôt stable, on va voir ça. Tu es hors ligne et en même temps tu me parles. N'importe quoi. Voilà, hors ligne, en ligne. Voilà, la personne est hors ligne. Bien sûr, elle va redevenir en ligne et ça ne le voit pas. Et ça arrive souvent pour plein de personnes et c'est chiant. Donc là c'est écrit quand même hors ligne. Ah, elle vient d'être en ligne. C'est la merde. On le voit l'enculé. Là il est 10h30, je suis réveillé donc ça va. Vous entendez ce truc? Quand par exemple vous êtes une personne incompétente au niveau de la vie, en période hivernale, et vous arrivez de vous coucher, puisque vous travaillez tard, à 4-5 heures, donc que vous vous levez tard, et que vous habitez ici, vous êtes content parce que ce système là arrive régulièrement à 10h du matin. Et comme vous pouvez le constater, c'est pas juste gloum 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 tous les quarts d'heure, et ça dure 10 minutes parfois. Et puis parfois ça s'arrête, tu fais putain, donc là j'ai bien été réveillé. 10 minutes, un quart d'heure plus tard, ça recommence pendant 5 minutes. Non-stop, c'est ce système. Ouais, ils mettent toutes les cloches à fond, donc ici c'est nul. Entre ça et le schizophrène à côté qui hurle, je vais pas rester longtemps dans cet appartement. C'est chiant, c'est archi chiant. À la limite, il y aurait du double vitrage. Parce que là déjà... Tous les gens qui habitent à côté, ils font comment? Donc on va enquêter vu le volume, on va zoomer dans les fenêtres, voir s'ils ont PVC double vitrage ou pas. Parce que ça arrive le samedi, le dimanche, n'importe quel jour, ce système-là, je sais même pas ce que ça veut dire. Pénible comme bruit. Ça a l'air d'être du PVC, hein. En face, pareil, hein. Là, vous entendez plus qu'une cloche. Ça a l'air de... Ils ont équipé les gens, hein, ils ont bien compris. Ouais, moi j'ai du vieux truc pourri et c'est chiant. J'imagine le mec qui bosse de nuit ou toute la semaine, des trucs comme ça, et puis le dimanche, ça y est, je peux dormir. Et il est heureux face à l'idée de vivre là toute ma vie. Hein. T'as plus de batterie? Non. Je sais pas. Oh, on dirait un vomi de chat. Oh, c'est dégoûtant. Posé là, négligemment. C'est ça là qui me... Un insecte. Qui me dérange le plus. C'est l'ancienne vallée du Nil, mais elle a bien changé. Ouais. Non, mais là, il fait son tour.